Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica, chers amis. Nous allons donc repartir dans le Cimos, dans le Cyclope, pardon. Nous allons nous déplacer un petit peu et aller chercher Max de Titane. Il faut que nous réparerions notre base, clairement, là c'est nécessaire. Excusez-moi, je vais allumer les phares. Voilà, parce que là, je n'y vois que dalle. Et il va me falloir masse... masse titane. Alors, je sais pas où je vais le trouver. Peut-être autour de la base, finalement. Peut-être, je vais peut-être laisser le cyclope là, y aller en mode YOLO avec le Cimos, voilà. Crac. Est-ce qu'il le répare au passage? Je serais curieux de savoir. Non, il le répare pas. Ok, cool. Cool, 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 cool. C'est bon à savoir. Donc nous on va par là. On va récupérer un maximum de débris. Mais alors vraiment un maximum. Là c'est... Là, ça va être pas très drôle pour le début de l'épisode, chers amis. Désolé, hein. Hop. Ça va être du pur farm. En tout cas, pour le début. Avec, bien sûr, tout ce que ça implique dans Subnautica. Les tentatives de meurtre, tout ça, tout ça. Je peux en prendre combien sur moi? Encore une. Ah, il va falloir que je fasse le vide. C'est parce que j'ai un lubrifiant en trop, c'est vrai. Bon, déjà ça. Crac. Hop. Voilà. On peut voir que l'énergie baisse dur hein, quand même. Hein. C'est à cause de l'eau. Hein. C'est à cause de l'eau principalement. Donc, nous disions. Ici, ici, ici. Vous voyez comme l'énergie descend violemment. Ça va peut-être le coup de refaire un troisième. Bioréacteur finalement. Le problème, c'est que je vais rajouter un bioréacteur qui va, encore une fois, prendre sur le reste. Considérons que ça, c'est bon pour le moment. Je récupère les fruits. Crac. Ok, ça devrait être bon. Voilà. J'ai un troisième bioréacteur. Je peux récupérer le sel. Je vous avoue que là pour le coup je suis assez déçu, je m'attendais à ce qu'il me fasse de l'eau. Filtration en course 62, d'accord, ok. Donc là il continue. Est-ce qu'on remonte ou est-ce qu'on redescend en termes d'énergie? Apparemment on descend. On descend toujours en termes d'énergie, hein. C'est assez incroyable. On a du mal à sustenter un seul appareil, chers amis. Hein. Je précise. Hein. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Question. Est-ce que je peux faire, par exemple, ceci? Il me faut du quartz. Du quartz, j'en ai. Du quartz, j'en ai. Je sais pas où, mais je sais que j'en ai. C'est du diamant. C'est du diamant aussi. Lithium. Du plomb. Ça doit être dans le cyclope que j'en ai, effectivement. On va aller voir ça.
peux rajouter un tout petit peu de. De quoi survivre en fait, en termes d'énergie. Ce serait vraiment génial. Je sais pas si ça va être si efficace, hein. On y remonte, on remonte là, non? On remonte enfin! Oui! On produit plus d'énergie que ça n'en consomme. Vous voyez, c'est une seule machine. Hein. C'est une seule machine. C'est la grosse, 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 grosse dèche. C'est vrai, je vais l'inventaire plein. Hop, mangeons, mangeons. Ok. De toute façon, j'ai du sel si je prends un corail plat. C'est du sel, d'accord. Ah non, c'était du. Ok, j'ai qu'un minerai de sel. Bah écoute, hop, voilà. Je peux me faire toujours de l'eau. Ok. Ah oui, non, faut que je fasse de la javel d'abord. J'oublie, à chaque fois j'oublie, cher ami, je suis désolé. C'est là. Là. Et ensuite, c'est dans le menu. Wouh! Bon. Tout ça pour résister à la capacité que la machine a à pomper notre énergie. Et ça marchera qu'en plein jour, hein. Donc ça veut dire que là, de nuit, je vais en chier à avoir de l'énergie, hein. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, il faut qu'on améliore toute la base. Il va me falloir mon lithium. Ah putain, c'est pas ce que je veux. Ah merde! Pardon. Ok. Je sais pas de combien il faut pour réussir à avoir un truc solide en fait, c'est ça qui est chiant. Je sais pas combien il faut pour réussir à avoir une base solide. Peut-être ça mon seul problème à l'heure actuelle. C'est que je piffe peut-être un petit peu ma capacité à améliorer ma base. Hop. C'est vraiment le meilleur endroit du monde pour trouver du lithium. Voilà. Crac. Ouais, t'inquiète, je rentre dans la base. Laisse-moi 2 secondes et je rentre. Crac. Voilà. Bon. Bah écoutez, on va essayer d'être sur place aussi pour. Alors. Où est-ce que ça va être? Du coup, vous m'avez donné encore un signal. Aura, point de rendez-vous. C'est où? Tu peux m'enlever ça? Merci. Voilà. Point de rendez-vous, lieu d'atterrissage, d'accord, 1 km. On partira quand il restera 10 minutes, du coup, histoire qu'on ait un petit peu de temps. La bouteille d'eau, c'est dommage. Je disais donc, oui, je vais récupérer un petit peu d'oxygène et je vais repartir construire. Oui, donc je sais pas véritablement comment je peux efficacement améliorer ma base. Et c'est vraiment dommage. Là, je sais pas si ce que je fais à l'heure actuelle est efficace pour une pièce, pour 30 000 pièces. J'ai plus assez de titane, d'accord. J'ai trouvé un ou deux petits bouts de débris. Mais je ne sais pas si ce que je fais est bien. Donc ça ne change pas grand-chose finalement. Vu que j'ai toujours autant d'emmerdes, la coque. Hop. Je peux en prendre combien? Un, deux encore. Encore un. Et c'est bon. Crac. Direction la base. Mais ouais, je sais pas si véritablement ce que je fais est efficace ou pas. C'est là le véritable problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir toujours autant d'emmerdes. Je comprends bien que plus je vais remplir, plus je vais avoir d'emmerdes. Ça, y a pas de souci, je comprends parfaitement. Le problème, c'est que j'aimerais avoir
une indication en me disant voilà, je suis au-dessus de 0, normalement je devrais pas avoir de problème, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour le coup, j'ai pas ça. Parce que là, j'ai devoir rajouter une pièce. Ce qui en soi ne me dérange pas. Mais du coup, je me dis, il faut que j'aille à combien? Est-ce que c'est 50 par pièce? Parce que là, effectivement, là, je comprends pourquoi je suis dans la merde. Hop. Parce que là, par exemple, si je veux rajouter ça, il va falloir 4 lingots de titane, 4 lubrifiants, kit de câblage avancé. Kit de câblage avancé, ça vaut de l'argent, ça. Ça, ça me rappelle quelque chose, cette histoire. Il faut un circuit intégré. Et dehors. Ah, c'est facile en fait. Le quartz et l'échantillon de corail, là, je vais l'avoir. Regardez. Regardez, 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 regardez. Crac. Mais est-ce que j'aurai la place pour l'emporter? Non. Ça, c'est du corail ordinaire. Échantillon de corail, plage, je vais en avoir qu'un. Pile, je la mets là pour le moment. Ça, je le mets là pour le moment. Et le quartz, je vais en avoir un ici. Ok. Attendez, regardez. Vous avez remarqué que la puissance était basse. J'ai plus de piles pour ça. Génial. Elle est ici. Donc de ce côté-là, ça va. C'est l'autre côté que ça ne va pas. 99, 0, 100. D'accord. Okay, tiens. Mange. Fais du bien par où ça passe, hein. C'est là qu'on se dit qu'on a un système viable ici. Crac. Ok, bonne charge. Par contre, moi, c'est mes piles du coup qu'il va falloir que je recharge. Mais ça c'est pas excessivement grave. J'espère n'avoir rien oublié de ce que j'étais censé emmener. Il va peut-être me manquer un corail plat, j'ai dit. Hein. Ah. C'est long. D'accord, je peux en faire qu'un pour l'instant, c'est cool. Il va falloir 4 hein, si j'ai bien compris. Ici, est-ce que j'ai autre chose? Où est-ce que j'ai mis toutes mes piles? J'ai dû les mettre dans le CMOS tous les coups. Qu'est-ce que c'est que ça que j'ai pour le Cyclope déjà à la base? Ok, vas-y, rentre et bonne charge. Ensuite, j'ai dû mettre toutes mes piles dans le CMOS quand j'ai fait le vide. C'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Ça commence à être un petit peu le bordel, hein, donc... Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a rien, rien d'autre qui a besoin d'une pile aussi, au passage? 80%, j'ai largement le temps. 50%, tu voudrais pas une petite pile neuve, toi, par hasard? Ah, ça, c'est une combien que j'ai pris? J'ai des piles à 0. Voilà. Voilà le boulot qu'on va devoir faire aussi. Crac. Ok, bon bah là il va y avoir de la charge à faire encore. Hein. Je vais aller regarder pour l'eau, au passage. Merci pour la bouteille. Sympa. Une grande bouteille d'eau filtrée qui me rapporte 50 points. Voilà, voilà pourquoi c'est valable ce truc. Ok, donc. J'ai oublié de mettre le rendement du cyclope. Je vais aller faire tout de suite parce qu'il consomme. Hein. Il consomme quand même bien hein, le sagouin. Ok. Crac. Crac. Ici. Ok, merci. Rendement énergie directuelle 400%.
C'est cool. Sans doute très très cool. Donc. Crac. Faut un corail plat supplémentaire. Voilà, c'est tout. Je vais aller le chercher. Je vais en avoir pas trop trop loin. Là. Hop. Ok. Ok, tu m'as niqué deux fois. Trois fois. Ok. Le jeu me nique. Voilà, hop. Un instant, chers amis. Chers amis, excusez-moi. Donc, je vais devoir m'absenter dans pas très très longtemps. Je sais même pas quelle heure il est actuellement. Crac, 21, donc je dois m'absenter dans une dizaine de minutes, malheureusement. Donc. Hop, on est bon. On est bon. Hop, et le circuit intégré, il est fait. On a le circuit intégré. Maintenant, il faut que je fasse un kit de câblage avancé en le passant avec de l'or que j'avais déjà sur moi. Vu toute l'or que j'ai pu ramasser, c'est pas étonnant. Ça, c'est bon. Ensuite, on avait dit pour. C'était quoi déjà qu'on voulait construire? Ça. Le lingot de titane, ça va être le plus chiant. Puisque je ne sais absolument pas si j'ai, pardon, encore du titane dans le coin. J'ai un titane. Si on fait 3 au total, ce qui est loin d'être suffisant. Ça, je le dépose, ça, je le dépose. Et ça aussi, au passage, c'est pas important. Il faut que j'ai quand même un maximum de place. Donc 1, 2, 3. Je peux en mettre 3 ou 4. Est-ce que je me suis garé avec dans le. Non, il est là. Il faut que j'emmène un maximum de titane, chers amis, en très très peu de temps, pour le coup, maintenant. Les règles ont changé, comme vous le savez. J'aime bien cette expression pour dire que la situation a évolué. Et le soleil se couche. C'est génial, c'est pile ce que je ne voulais pas. Donc là, il va falloir que je... Que je préfère l'énergie du Cyclops à l'énergie de la base, puisque elle va continuer à produire de l'eau sans trop de soucis normalement, en tout cas autant qu'elle peut. Je sais pas, foutu les boules celui-là. J'aurais peut-être dû y aller avec le Cyclops, ça me permet d'en transporter un peu plus. Sale bête. Sale bête, sale bête. Tu me colles toujours au cul ou... Tu t'es dit que ça valait pas la peine de te dépenser à ce point peut-être? Je peux en prendre encore un. Parfait. Je prends. Ok. Alors. Ça c'est bon. Maintenant direction. Le Cyclope. Le... Comment que je l'ai appelé? Safe key bug? Safe bug? Safe buggy. Le safe buggy. Direction le safe buggy, chers amis. Crac. Hop. Intentionnellement, je le range pas. Hein. C'est intentionnel, chers amis. Vous inquiétez pas. Crac. Allez, on continue. Il nous faut masse titane. Masse. Masse, masse. Mes cheveux doivent être absolument horribles d'ailleurs, au passage. Non, ça va, j'ai connu pire. Crac. Alors, ça en fait une de plus. Je peux pas en faire deux normalement. Non. J'en ai que 9, forcément. Et là, je peux du coup en transporter que 2. Là, c'est là que ça va pas être rentable. Ce trajet-là ne va pas être rentable du tout. Ok. Hop. Direction. Base, donc par là.
Et de 1. Si on trouvait au plus vite, hein. Au plus simple et au plus vite. Moi qui pensais que les profondeurs allaient être remplies de ce genre de choses. Je suis un peu vexé pour le coup. Non, j'en trouve plus. Attendez ça, non? Non, ça c'est une caisse. Tout ce qu'il y a de plus classique, hein, malheureusement. Ah, on sent que c'est pas la première fois que je cherche dans le coin. Hein. Ça se sent que c'est pas la première fois. Allez, on remonte, c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris l'air à la surface, de toute façon. Wouh! On y retourne. Ça fait trop bizarre d'aller à la surface, j'aime pas. Je préfère être sous l'eau maintenant. Ma vie, c'est sous l'eau maintenant. Alors. Ah, bah voilà. Crac. Ah bah, tu veux bien le prendre, s'il te plaît, merci. Voilà. Trou qui fait pchit, et voilà, ici. Oh, bonjour! Comment vas-tu? Je pense que tout va bien pour toi, n'est-ce pas? Apparemment, tu n'as pas trop de soucis. Là, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Là, 40 pets. Ici, ok. Ok! Profitez pour aller manger un petit coup aussi dans la maison. Enfin, dans le vaisseau. Enfin, dans le cyclope. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Il est beau gosse, ce cyclope. Bon, il apparaît pas très très près. Mais... Enfin, pas très très loin, mais... Hop. Mais bon. Captain. Ok, cool. Elle est très très cool, ta vie. Hop, hop, hop. Et hop, c'est bon. Crac, ça c'est bien. Encore un petit deuxième. Ce qui nous fait un total de... 17. Si je me trompe pas sur nous. Voilà. Ce qui veut dire qu'on peut encore en reprendre un. Et je crois qu'on aura nos... C'est 4 ou 5 qu'il faut, je sais plus. Merde, je sais déjà plus. Hop, je me doutais que j'allais en trouver par là. Inventaire plein, quoi? QA, port QA. Ah oui, inventaire plein, hein, j'y peux rien hein, pour le coup. Hop. Eh ben non, il est pas si plein que ça finalement. Tu vires un extincteur, tu peux ranger un vaisseau dans ta poche. Voilà. Si t'as déjà réussi à caler un extincteur dans ta poche. Y'a que ça, hein. C'est le seul cas où tu peux le faire. Ok, bon. Jusque là, ça passe. C'est ici. Hop, merci. Merci. Ok, c'est bon. C'est bon, crac, 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 et c'est bon, titane. Bon, on progresse, on va avoir le Moonpool. Une fois qu'on aura le Moonpool, l'objectif ce sera de l'améliorer pour en ressortir pardon, une station de modification, en plus. Ce qui va pas être si simple. Hein. Autant vous le dire tout de suite. Ok, donc. Et maintenant il me faut 4 de lubrifiant. Qui vont être assez chiants à obtenir, vu qu'il me faut beaucoup de place dans l'inventaire pour prendre ces foutues graines. Blah. Rototo. Bon, ok, lubrifiant, 4, donc il m'en faut 6. 1, 2, 3, j'ai pour y aller que 3 par 3. Peut-être 4 par 4 même. Je vais dire 4, plutôt que 3, puisqu'il me semble que j'ai pour y aller à 4. On y va, hein. Je perds pas de temps. 1, 2, 3, 4, inventaire plein. C'est bon. Je vais pouvoir en faire 3, et après je reviendrai, et j'en reprendrai 2, et ce sera bon.
Normalement. Crac. Allez, allez, rentre dans le trou. Marcus, je sais bien que t'es gros, rentre dans le trou. Ok, c'est bon. Crac. Un lubrifiant. Et enfin, moi je fais le deuxième. Crac. Deux lubrifiants, enfin un deuxième lubrifiant qui va arriver bientôt. Ok, on progresse peut-être pas très très vite, mais on progresse en tout cas sans trop de soucis. En dehors de la recherche en fait des blueprints, on n'a pas eu trop de soucis. Crac, par là. Deux lubrifiants. Et normalement, là je suis à même de la faire. Il me faut quatre lubrifiants. Oh. Oh là 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 là. Tellement de lubrifiants, chers amis. J'en ai peut-être autour de la base aussi. Je sais pas si j'en avoir assez en fait au niveau de la base, ça le truc. Puis il est extrêmement dur à choper. Bon là ça a été, je reconnais que là pour le coup je m'attendais pas à ça mais... Crac. Ah puis je voudrais pas tomber... Cric-crac au niveau du temps. Hein. Voilà. Un, deux, trois. Parfait. Crac. Parce que là, il va falloir que j'y aille, là, normalement. Je devrais même déjà être parti, normalement. C'est pas grave. Voilà. On va pouvoir construire le Moonpool. On y va. C'est bon. Crac. Hop. Oh, il te faut un... Non ? Pourquoi il met pas de pont entre les deux, là ? Ah bah voilà, ouf ! Il me fout les boules, c'est pas dans un instant. Crac ! Et voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, il va nous falloir aussi ceci. Là, pardon. Ouf, d'accord, ok. Je sens que ça va être fun encore, cette histoire. Je sens que ça va encore être fun, cette histoire. Hop. Non, c'est bon. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si ce que je fais est bien en fait, ça le véritable problème. J'aurais peut-être dû la mettre là, je sais pas. Je ne sais pas du tout. On verra. Bon, 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 bon. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, maintenant on a le Moonpool, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop!